l'auteur du texte devrait apprendre à gérer ce type de situation sans avoir recours à des méthodes mentales. Darren Wilson, le policier blanc qui a abattu le 9 août dernier à Ferguson dans le Missouri Michael Brown, un jeune noir de 18 ans non armé, ne sera finalement pas inculpé. Voici la décision qu'ont rendu les 12 membres du grand jury populaire lundi 24 novembre, après avoir estimé qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisants pour intenter des poursuites contre l'agent mis en cause dans cette affaire. Une annonce qui n'a pas tardé à mettre le feu aux poudres sur la toile et dans les rues du pays. En effet, comme on peut le voir sur ces images amateurs qui circulent sur la toile, de nombreux Américains ont rapidement décidé de manifester dans plusieurs grandes villes des États-Unis pour exprimer leur indignation face à une décision qui s'apparente, selon eux, à un déni de justice. Des rassemblements spontanés organisés à New York, Los Angeles, Washington, Chicago, Seattle ou encore Oakland, auxquels ont participé plusieurs milliers de citoyens choqués par le verdict du grand jury. Des manifestations qui se sont déroulées dans un climat particulièrement tendu et qui ont parfois dégénéré en émeutes, comme à Ferguson, où une partie des protestataires n'a pas hésité à s'en prendre au feu. This one en mint condition. Cela veut dire en parfait état. E em português, em perfeitas condições, sem nenhuma falha de tinta. Pour poursuivre le combat pour que la mort de Michael Brown ne sombre pas dans l'oubli.